Edu Plenel, président et cofondateur de Mediapart. Bonjour. Bonjour. Et InfoLibre vient d'avoir 8 ans. Mediapart fête ses 13 ans de journalisme. Alors, tout d'abord, félicitations. Et tu as fondé un journal sans publicité et réservé aux abonnés. Et vous savez attendre la chiffre des 1218 000 abonnés. Alors, la première question, c'est quel est le secret? Quelle est la clé du succès des Mediapart, Edwy? Du journalisme. Cela veut dire être au service d'un droit fondamental des citoyens qui n'est pas un privilège de notre profession. Ce droit, c'est le droit de savoir. Savoir tout ce qui est d'intérêt public. Tout ce qui permettra aux citoyennes et aux citoyens de se déterminer librement. Nous sommes au cœur d'une responsabilité démocratique, d'un enjeu démocratique. Il y a peu de temps, j'ai retrouvé une déclaration au tout début de la Révolution française, avant la Déclaration des droits de l'homme. C'était le 13 août 1789. La publicité est la sauvegarde du peuple. Le mot publicité ne plaît pas à dire ce qu'il veut dire aujourd'hui, la marchandise, le commerce, la réclame. La publicité, rendre public tout ce qui est d'intérêt public, c'est la sauvegarde du peuple. Est-ce que ces valeurs de Mediapart sont manquées dans la société française? Simplement, notre métier vit aujourd'hui une très grande crise. Une crise morale, une crise économique, une crise sociale, dans la précarité des journalistes. Et cette crise se traduit par un abaissement des valeurs professionnelles, par, au fond, et on le voit bien dans l'univers télévisuel des talk shows, l'opinion vient tuer l'information. Le blablabla blabla des opinions et du coup des fausses nouvelles, des fake news, des rumeurs, des haines, de la violence, vient étouffer l'information. Plus que jamais, la défense des vérités de fait face aux vérités relatives, des vérités d'opinion, de conviction, de croyance, est une bataille essentielle. Et donc, pour moi, ce n'est pas seulement un problème français. En France, nous le voyons, notre problème est tout simple. Ce sont les grands industriels extérieurs aux métiers d'information, des oligarques, des patrons du luxe, patrons de la téléphonie, patrons industriels des relations avec l'Afrique et de la France-Afrique, comme l'on dit, qui aujourd'hui contrôlent l'ensemble des médias, qu'ils soient presse écrite, presse télévisuelle. Alors, il y a beaucoup de bons journalistes dans ces médias, mais la question de l'indépendance est plus que jamais posée. Voilà, ma réponse, c'est que, bien sûr, nous sommes créés à Mediapart pour résister dans un contexte français. Mais aujourd'hui, nous avons 13 ans, on voit bien que le combat commun d'InfoLibre et de Mediapart est le combat pour l'intégrité de l'information, pour l'intégrité du journalisme, pour la responsabilité démocratique du journalisme, est un combat plus actuel que jamais. Tu parles tout à l'heure de l'extrémisme, de la haine, de la violence, qui parfois est chez les pouvoirs, chez la politique. Maintenant, en Espagne, il y a un débat à propos de l'extrême droite, une idéologie qu'en France, vous connaissez bien. Comment penses-tu et toi, que nous, les journalistes, on doit couvrir les activités, les proclames, le message de l'extrême droite? Pour moi, il faut faire notre travail normalement. D'abord, nous devons enquêter, nous enquêtons sur tous les partis politiques. Notre rôle par rapport à la vie politique, c'est de ne pas s'en tenir à la communication des partis, au discours des partis. Il faut aller voir ce qu'ils font. Le deuxième point, il faut distinguer ces partis de ceux qui votent.
Il faut essayer de comprendre pourquoi les gens votent pour eux. Il faut faire notre travail de terrain sur qu'est-ce qui fait que des gens se retrouvent désespérés, déçus, délaissés par les partis démocratiques pour pouvoir voter pour des partis autoritaires, des partis qui désignent des boucs émissaires, qui utilisent cette diversion du racisme pour venir au pouvoir. Et puis enfin, troisième point, je pense que dans notre époque, vous avez vécu la même histoire, je pense, avec l'ascension de Vox en Espagne. Le vrai problème n'est pas l'Espagne. Il y a toujours et il y aura toujours en Europe, de manière minoritaire, des idéologies de l'inégalité naturelle. Car c'est ça, des gens qui pensent qu'il y a des civilisations supérieures, des cultures supérieures, des nations supérieures, des religions supérieures, des couleurs de peau supérieures. Alors, la vraie question, c'est comment se fait-il que cette idéologie renaît en force politique ? Comment se fait-il que là où elle était limitée à des essayistes, à des intellectuels, à des postures un peu esthétiques, elle devient une force politique, voire une force politique massive, voire une puissance. Et là, ce n'est pas l'extrême droite qu'il faut. C'est comment certaines politiques, des partis dits de gouvernement, de droite, voire issus de la gauche, ont fait la courte échelle à l'extrême. Aujourd'hui, parlons en 2021, je parle depuis un pays, la France, où le pouvoir politique qui a été élu pour faire barrage à l'extrême droite, M. Emmanuel Macron, et il est venu à Mediapart, le dit, deux jours avant son élection, le 5 mai 2017, eh bien, M. Macron et sa majorité aujourd'hui font la courte échelle à l'extrême droite. Ils ont épousé son discours. Ah oui ? C'est eux qui parlent du séparatisme, de l'islamo-gauchisme, qui disent que l'islam est un problème de notre société, non pas le terrorisme, mais l'islam. Donc nous avons en clair des partis politiques, de droite ou de gauche, qui n'arrivent pas à répondre aux défis de notre époque et qui, étant en perdition, du coup, évoluent, quittent, voilà, et en viennent à enfanter cette possibilité de l'extrême droite. C'est l'histoire de l'Europe. Il n'y avait jamais de fatalité à ce que l'extrême droite vienne au pouvoir. Elle vient au pouvoir quand des partis républicains, démocratiques, pensent qu'elle n'est pas dangereuse, pensent qu'ils peuvent s'allier à elle, sont divisés au point de faire son jeu, ou épousent son idéologie, font droit de citer à son idéologie. Je parle depuis un pays, la France, dont on oublie que ces élites majoritaires, politiques, économiques, intellectuelles, entre 40 et 44, ont collaboré. Ce n'est pas le peuple qui a collaboré avec le nazisme. Ce sont des élites. Elles n'étaient pas fascistes, ces élites. Elles n'étaient pas nazies. Simplement, elles se sont effondrées. Elles ont renoncé. Elles ont cru que ça pouvait tenir. Et nous vivons une même époque. Je crois qu'il n'y a pas de raccourci politique. Je ne sais pas si, par exemple, les forces progressistes en France arriveront à comprendre qu'elles doivent s'unir parce qu'il y a vraiment un grand danger. Il y a vraiment une grande urgence. En revanche, ce que je crois et que nous devons faire, Info Libre, Mediapart, des médias indépendants comme cela, c'est parier sur la société, parier sur la mobilisation de la société, parier sur les lucidités de la société, aider la jeunesse à être un acteur de son futur. Pour moi, notre époque est à la fois tragique et formidablement excitante. Car pour un journaliste, on retrouve l'idéal de l'origine au XIXe siècle, le journalisme comme fantassin de la démocratie,
le journaliste de Victor Hugo, de Émile Zola, le journaliste, pour prendre des références françaises, qui est dans la bataille démocratique plus que jamais. Et Louis Plenel, président et cofondateur de Mediapart, je te remercie. Encore félicitations pour ces 13 ans de succès et merci pour être notre moyen, notre média frère d'Info Libre. Muchísimas gracias et un très bel anniversaire à Info Libre qui a été justement le premier partenaire de Mediapart quand Jesús Maragna est venu me voir à Mediapart. Je dis en rigolant, je ne parle pas bien l'espagnol, je ne parle pas bien le français, mais nous nous comprenons parfaitement parce que nous parlons la même langue. El periodismo. Merci encore et bonjour.